Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je me retrouve cet automne 2017 dans le département de l'Aube, à l'invitation de notre pêcheur Constant Lebel, pour vous présenter ce déjà sixième opus de En Session avec Fox. J'en profite avant tout pour dire vraiment un grand merci à la maison Fox, qui nous a fait confiance depuis toutes ces années maintenant, nous, l'équipe de consultants, avec ce projet de DVD en France, en langue française, vraiment une aventure fantastique. Alors une aventure qui se poursuit cette année avec encore de nouveaux venus. La famille s'agrandit chaque année, comme vous le savez. Et puis donc Constant qui est en train de poser ses cannes là, ici sur ce petit plan d'eau. On va justement le retrouver en session pour une battle très particulière avec notre ami Julien Filleul, puisque ça va être pêche du bord contre pêche en bateau. Donc je vous laisse découvrir tout ça, vous allez voir que ça manque pas de piquant ni de suspense, et puis on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, nous voici ici sur le plan d'eau de Villedon, donc dans le Poitou-Charentes. C'est un plan d'eau d'une quarantaine d'hectares qu'on a choisi avec Constant pour relever un petit défi. C'est un petit pêche ensemble. Exactement, on a décidé de faire un petit battle. Moi je vais pêcher du bord. Et puis moi j'aborderai la pêche en déposant mes cannes en bateau. Donc deux approches opposées, mais bon, ce sera intéressant de voir la différence entre les deux, quoi. Ouais, exactement. D'autant plus que sur ce plan d'eau, c'est un plan d'eau qui subit une très forte pression de pêche tout au long de l'année. Donc bon, je pense qu'il est bien de mettre en place deux stratégies différentes. Et on verra au fur et à mesure de la session qui l'emporte sur l'autre par rapport à son approche, quoi. Donc, voilà, exactement. Après, il va falloir faire attention à plusieurs facteurs. On a de nombreux. Il y a pas mal de monde. De nombreuses équipes qui sont déjà en place. Donc, pas mal de monde. Notamment des Anglais, des Hollandais. À savoir qu'on est les seuls Français. Donc ça serait quand même pas mal si on pouvait tirer l'autre épingle du jeu. Ce serait pas mal, effectivement. Ouais. Donc affaire à suivre. On verra bien. On va continuer à amorcer là pour la nuit. Et puis... Les cannes sont à l'eau, donc il n'y a plus qu'à. Exactement. Voilà. Donc d'un commun accord avec Constant, moi je me suis mis sur la partie gauche. Donc c'est un poste qui est situé au milieu du lac, donc une très bonne zone, hein. Il y a régulièrement du poisson qui s'y prend. Donc sur ce poste, moi personnellement j'ai décidé de pêcher environ 80 mètres du bord, c'est une bonne distance pour pêcher au cobra. Donc j'ai passé un rapide coup de marqueur, j'ai environ 1,70 m d'eau, donc ce qui n'est pas, c'est pas très, très, très très haut. Donc du coup je vais faire une petite pêche très discrète avec des petits plombs d'environ 80 grammes. Je vais clipper mes cannes, ça me permettra d'être très discret pour éviter de faire partir des poissons si jamais il y en a sur ma zone. Donc voilà, hein, j'ai fait une approche classique, cobra, bien éparpillé pour vraiment essayer d'intercepter des poissons qui navigueraient dans la zone. A priori, les autres équipes la pêchent au bateau amorceur, donc ils doivent faire vraiment des tout petits spots. Et bon, je pense qu'ici, elles ont vraiment l'habitude de ce genre d'approche, donc c'est bien d'essayer de se démarquer un peu. Donc c'est pourquoi je suis parti sur cette approche. À voir si ça va être payant, la nuit nous le dira. Donc pour moi, en ce qui me concerne, je pêche la partie droite du poste. Donc c'est la partie qui part vers la queue du lac. Donc ça remonte gentiment
il y a de moins en moins d'eau en partant vers le fond. Donc moi je pêche en bateau comme je vous l'ai dit. J'ai décidé de, au niveau de la stratégie, d'étaler une bonne quantité de bouillettes sur une large zone. Donc comme Julien l'a dit précédemment, ici les carpes sont énormément pêchées à l'aide de bateaux amorceurs. Donc on a décidé d'avoir deux approches différentes, mais au niveau de l'amorçage ça se ressemble quand même sensiblement. Une large zone de bouillettes. Donc on va voir si ça va payer. Je pense que ça risque de mettre un petit peu plus de temps à rentrer, mais si ça rentre, ça peut peut-être faire mal, quoi. Donc on verra bien. Après, au niveau du placement des cannes, je pêche en escalier, donc ma canne la plus loin doit être à 80 mètres, et puis en décalant jusqu'à à peu près 30-35 mètres du bord. Au niveau du bateau, en fait, je vais l'utiliser pour retendre les cannes. Amorcer aussi, j'éviterai de l'utiliser pour combattre les poissons parce qu'on est sur une zone où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Au plus profond j'ai 1m90, donc ça risque de faire du bruit et donc de me pénaliser par la suite. Donc on va vraiment l'utiliser pour amorcer et déposer les cannes et ça s'arrêtera là. Donc au niveau des profondeurs, donc je pêche dans 1m90 jusqu'à dans 1m70, donc c'est sensiblement la même chose, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter et puis en espérant qu'on soit récompensé, quoi. Ça pêche depuis ce matin comme il faut. Et là, début de nuit, là, première nuit, première touche, ça fait plaisir. Une canne qui était juste en périphérie de l'amorçage, là. La canne qui pêche à 30-35 mètres du bord. Ça n'a pas l'air vilain. On va prendre son temps. Un poulet. T'as raison de prendre de l'avance, ça va pas durer. Yes! C'est bon ça! Il est dedans. Décroché dans l'épuisette. Ça c'est beau! Tu gagnes du temps! Bien joué! Cool. Je suis content. Allez! Un joli petit poisson. Allez, je vais la remettre à l'eau, je vais aller remettre la canne en espérant que ça continue. Là, il est midi. Deuxième poisson. Deuxième touche. Donc on espère que c'est bon signe, quoi. Il commence à me mettre un peu l'impression. Ça m'inquiète pas trop, mais faut que je me méfie de ce petit là. Yes. C'est bon ça. Très joli poisson. Bien joué, gros. A bien mangé celle-là. Ah. Bon, deuxième poisson. C'est pas gros, mais vraiment joli. Un bel écaillage. Ça fait plaisir. Très belle foulée, ouais, carrément. Ouais. Ça fait plaisir. Ce qui fait surtout plaisir, c'est que tu commences à faire un poisson de jour. Il n'y a plus qu'à. Faut voir si. Rentrer sur les amorçages, ça peut être sympa, quoi. C'est clair. On va voir si ça va continuer. J'espère que oui. Deuxième poisson pour toi. Tu commences à mettre un peu la pression là. Le match est vraiment lancé. Ouais. Non, c'est de bon augure pour la suite.
tout à l'heure, là c'est la deuxième journée, donc ça fait 24 heures qu'on est installé. Je viens de faire un deuxième poisson. Donc là ce que je vais faire, j'avais prévu de ce matin, en fin de matinée vers midi, de retendre mes cannes, aller réamorcer un petit peu, essayer des choses sur des cannes qui n'ont pas marché. Du coup j'ai déroulé avant, donc sur les deux cannes qui ont déroulé, je vais toucher à rien, je vais laisser comme c'était. Je vais juste réamorcer mon coup. Donc c'était un amorçage de zone avec pas mal de billes étalées sur une bonne longueur. Quand je suis en train d'amorcer là, assez large, je remets un peu de bouffe. J'ai volontairement délavé mes appâts. Comme les poissons ont l'habitude de voir pas mal de choses, ça permet parfois sur ce genre d'endroit de faire entrer des poissons un petit peu plus vite sur les amorçages. Les appâts un petit peu délavés, les poissons se méfient moins. Donc, toujours un saut d'avance avec des appâts délavés depuis 24 heures. Et ça m'a plutôt bien réussi généralement, donc on va continuer comme ça. Donc là, il y a un petit décrochement au niveau du fond. Là. C'est pas énorme, mais vu que je pêche dans peu d'eau, ça, c'est pas négligeable, quoi. C'est quand même assez intéressant. Donc j'ai fait le poisson ici. On va remettre la canne au même endroit. C'est assez dur, il y a des petites poches de vase. Et je privilégie la vase. Voilà, là, je suis dans une petite poche. On voit bien les petites bulles qui remontent là. Et je remets pas d'appât. Du coup, c'est une canne qui est vraiment en périphérie de l'amorçage. Je pense que les poissons, on l'a bien vu là sur le poisson de tout à l'heure, ils rejetaient pas de bouillette. Donc je pense que les poissons tournent plutôt autour de l'amorçage pour le moment. J'espère que ça va rentrer. Mais voilà, je préfère pêcher la périphérie. Pour le moment, c'est payant, donc on va continuer. On est à 24 heures du début de notre pêche là. Donc une première nuit où on a fait un poisson en début de soirée hier. Un poisson sur ton coup, ouais. Ouais, on s'attendait à mieux pour être honnête sur la nuit. Avec les deux stratégies mises en place, il est vrai que bon, on aurait pu espérer faire quelques poissons supplémentaires. Mm. Après je pense que bon, un poisson c'est déjà bien. On a quand même réussi à faire dérouler une canne. Après bon, il faudra. On va essayer de confirmer la stratégie cette nuit, ouais. Savoir si les poissons veulent rentrer un petit peu plus, étant donné en plus que tu as fait une touche ce matin, ouais. Ce matin, donc c'est bien qu'il y a quelques poissons dans la zone. Hein. Ouais. Après, c'est pas évident parce qu'on a quand même une grosse pression de pêche sur une partie du lac assez réduite. Ouais, c'est clair. Et en plus de ça, on a quand même une équipe qui vient de s'installer sur notre droite où il y a deux pêcheurs, donc ça va nous faire 6 cannes en plus dans l'eau à proximité. Après, de ce qu'on a vu, je pense qu'on est quand même pas trop mal placé parce qu'on est au milieu et le gros de l'activité, c'est devant nous. Oui, exactement. La nuit, il y a quand même une grade activité là, sur l'ensemble de la zone. Après, il faut espérer qu'elle s'alimente et qu'elle rentre sur nos amorçages. Ouais. Dans ce cas-là, ça pourrait bien se passer, mais maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein, plus qu'à être patient et à croiser les doigts. Exactement. Bon, je vais vous parler plus en détail de mon montage. Donc ici, sur le plan d'eau de Villedon, la tresse, elle est interdite. Donc j'ai garni mes moulinets de nylon, donc c'est du camo soft en 30 centièmes. Ensuite j'ai une tête de ligne en 45 centièmes, donc c'est du snag leader, sur lequel j'ai fixé une perle que j'ai percée avec une aiguille à bouillette dans le sens opposé des trous pour venir bloquer en fait un petit slider, un petit plomb qui se trouve à 1,50 m au-dessus de mon clip plomb. On n'a pas le droit au licor en fait, donc ça me permet de, en pêchant détendu, de plaquer ma tête de ligne, donc sur 1,50 m avant le montage, pour plus de discrétion. Donc après clip plomb, très simple, un plomb de 106 grammes,
un petit anti-tangle en tungstène. Et puis au niveau de mon bas de ligne, donc j'ai utilisé un combi rig. Donc une partie en rigidity, une partie très très rigide. Donc ensuite c'est de la tresse, de la reflex camo en 25 livres. Et en fait c'est quelque chose de très agressif pour le poisson. Voilà. Donc au niveau de mon échage, j'ai utilisé de la Pacific Tuna de chez C.C. Moore en 18 mm. Donc l'amorçage il est composé de ces bouillettes, de ces mêmes bouillettes. La seule petite différence en fait c'est que mon appât je viens l'enrober avec de la pâte d'enrobage pour ajouter encore plus d'attractivité sur le montage. Voilà, donc je vais aller reposer le montage pour la nuit et puis j'espère que ça va continuer. On a loupé tous les deux un poisson avec Julien cet après-midi. Donc bon, pas de poisson, pas de nouveau poisson, mais un petit peu d'activité, donc c'est de bon augure. Bien voilà, un troisième poisson assez sympathique, un petit peu plus gros que les deux premiers, 20,7 kg, donc ça fait plaisir. Une nuit plutôt calme, on a entendu beaucoup moins de sauts que la nuit précédente, mais la touche a eu lieu ce matin, donc il y a quand même du poisson qui circule sur le poste, quoi. Ça fait plaisir. Il y a pas mal d'activité ce matin. Ouais. Il faut espérer qu'il y ait d'autres poissons qui s'alimentent de journée là. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On va voir le soleil a pointé son nez. On va avoir une journée avec un climat un petit peu différent des autres jours. Ouais. Ouais. Donc on va voir si ça va changer. Si ça va changer la donne. Et voilà, un joli petit poisson pour attaquer les dernières 24 heures. Ça fait plaisir.
je crois que Julien est en train de s'énerver. Je sens la pression qui monte. Ça sent la remontée cette nuit. Demain matin, il y aura quelques poissons secs. Je te le souhaite, hein, parce que pour le moment... Pour le moment, je suis dans les choux. Mais il fallait laisser un peu de suspense. Et ce soir, le suspense, il n'y aura plus. Petit changement de programme. Effectivement. Donc oui, on était censé plier aujourd'hui là. Ouais. Bon, étant donné que j'ai rien fait, Constant va gentiment me prêter son bateau pour que je puisse aller retendre mes lignes pour pêcher au spot. Je n'ai absolument pas fait aucune touche sur mon amorçage depuis le début de la pêche. Donc concrètement, je vais essayer d'aller poser mes cannes au spot en mettant un tout petit peu d'appât pour essayer de débloquer la situation et que je reparte d'ici avec. Au moins une carte et pourquoi pas une grosse quoi. Ce serait pas mal, un petit peu de concurrence. Ouais, mais ça serait pas mal pour moi. Et c'est vrai que pour l'instant tu mets 4-0 donc. Ouais, après. Je m'incline jusque là. Après, bon, méfie-toi de me prêter ton bateau parce qu'à tout moment, si je mets la pêche au spot et que je fais la remontada comme on dit, ouais, ça peut. J'espère que ce serait cool. Ça serait cool. Ça peut être cool. Après, on va voir, il y a un changement de météo, ça peut être propice. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. J'espère qu'on aura des surprises dans ce dernier 24 heures quoi. De toute manière, on peut que être surpris. Hein. Jusque-là, on a fait une touche de temps en temps. On n'a pas eu de touches qui s'enchaînent à foison. Donc, Effectivement. On va voir. On va voir ce que nous réserve ce dernier 24 heures, un petit peu bonus entre guillemets. En plus, impeccable, tu as mis tes points GPS, donc tu vas pouvoir aller tendre sur tes lignes pour essayer de faire une carte. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je m'apprête à aller poser un premier canne en bateau. De ta vie? De ma vie? Non, j'ai déjà posé une canne il y a 5 ans. Moment historique pour la pêche à la carpe en France. Donc là, concrètement, on va essayer de positionner une ligne où les carpes ont sauté durant plusieurs jours. Donc j'ai essayé de l'atteindre du bord. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si le montage est bien présenté. Donc du coup, avec le bateau, c'est beaucoup plus simple. J'ai posé la canne de manière très précise, sans trop enfoncer le pont dans la vase. Je vais dispatcher quelques appâts autour et j'espère pouvoir faire une carpe qui traîne dans les coins. Quoi. Que j'ai positionné ma ligne là, par rapport au bord. Alors tu vois la tropa à droite là-bas. Ouais. Tu décales environ de 5-6 mètres sur la droite et t'es une dizaine de mètres devant. D'accord. Voilà. Ouais, c'est à peu près grosso modo là on voyait un petit peu l'activité les jours précédents. C'est là où le gros des poissons sautaient. C'est pas trop mal. Donc il faut espérer que ça soit bien placé. Le carte est bien mangée. Thank you.
après une journée calme, vraiment très calme, début de soirée là. Pas mal d'activité sur le poste, ça commence à ressauter très très fort. Et une cinquième touche là, cinquième départ. J'espère que ça va se concrétiser. C'est plus très loin. C'est devant toi, Juju ? C'est pas loin. C'est dedans. Yes, cool. Bon bah je suis désolé hein, Juju. Non, je déconne, c'est pas tant, tu peux reprendre. Bien joué. Bon, cinquième poisson. C'est pas énorme, mais début de nuit, donc ça peut peut-être présager une nuit avec d'autres touches. Je l'espère. Un peu d'activité, donc faut espérer que ça continue. Eh ben, yes, ça c'est chouette, hein. C'est cool. Poisson de dernière minute, c'est le cas de le dire. Mouillé, mais ça dit quoi? Petite miroir. Donc voilà le montage qui m'a permis de capturer ce poisson. J'ai opté pour de la Cortex, donc en 20 livres. Donc j'avais dénudé juste quelques centimètres avant l'hameçon pour avoir une bonne articulation, comme on peut le voir. Et du coup, j'avais monté ça sur un dérig. C'est vraiment une présentation qui me convient bien. J'avais mis un grain de maïs doux, un grain de maïs plastique sur une petite poignée de maïs doux. C'est ce qu'on disait hier, ça m'a permis de sauver le capot. Donc c'est nickel. Bon, et bien voilà, jolie petite miroir de Vildon. Donc j'étais sur le point de plier, hein, et grâce à cette touche, mais ça me permet de partir d'ici avec au moins un poisson. Donc je suis vraiment content, parce que toute la semaine, on aura vraiment gratté pour en faire une. Et au final, tous ces efforts auront payé, quoi. Donc c'est pas un bœuf, mais ça fait quand même plaisir. Bon, et ben voilà, notre session sur le lac de Vildon touche à sa fin. Donc la pêche n'aura pas été aussi bonne hein, qu'on l'aurait imaginé. Oui. Les conditions étaient vraiment, vraiment très particulières. On a eu quand même, il y avait énormément d'activités la nuit, ouais. Mais on prenait quasiment rien, quoi. Moi, pour ma part, j'ai fait une touche. 5 poissons. 5 poissons. Ouais. On a eu du beau temps, de la pluie, du gris, on a eu un petit peu toutes les conditions. Une grosse pression de pêche de toutes parts, donc... C'est pas évident, ça nous a pas facilité la tâche. Bon, après on a eu quand même la chance de toucher quelques poissons, faut relativiser. Ouais. Ça a pas été le cas de tout le monde. Après c'était quand même assez aléatoire, hein. C'était un poisson par jour, c'est les ça. Poissons rentraient vraiment pas sur les amorçages. Mmh. Seule ta stratégie en bateau au final a fonctionné. Hein. Oui, en laissant les coups reposer, ouais. Sans trop toucher aux cannes. C'est Mais ça. Bon, on a passé quand même une bonne semaine, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Ce coup-ci, tu as remporté le challenge, mais t'inquiète pas que je vais prendre ma revanche d'ici l'année prochaine. Avec plaisir. Je relève le défi. D'accord, il n'y a plus qu'à de trouver un petit lac, bon peut-être... Bon, on va pas dire un petit peu plus poissonneux, parce qu'il y a du poisson aussi, mais il y a un quelque ouais. peu différent, et puis ça peut être sympa. Ce sera l'occasion de se revoir assez vite. Exactement. Donc, et de repasser un bon moment. Exactement. Donc nous, eh bien, on va continuer à ranger le matériel, et puis on va se rendre après aux directions de la digue, pour charger les voitures et rentrer chez nous. Ouais. Allez, à une prochaine.
Voilà, de retour de cette séquence plutôt compliquée avec Constant et Julien. Julien qui arrive quand même, à force d'acharnement, à tirer son épingle du jeu dans la dernière heure, voire la dernière minute. Quant à moi, je suis toujours en compagnie de Constant. La nuit s'est installée. On se laisse pas abattre. Hein. Petit repas du terroir avec une fondue bourguignonne. Tout en attendant, je l'espère, un départ très bientôt. Je vous propose de rejoindre nos machines et surtout notre champion du monde, Mathieu, qui a invité Nicolas Lévin à pêcher au zig. Mais vous allez voir que là aussi, très vite, ça va devenir assez compétitif et assez sérieux. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue dans le centre de la France. Bon, on va vous faire partager un petit 48 heures de pêche au zig. Donc bon, là j'ai pris un petit peu les devants, on attend Nico, il est un petit peu en retard. Donc j'ai commencé à amorcer et puis bon, les touches ne sont pas fait attendre. On va sortir ce poisson et puis on va vous expliquer tout ça plus en détail. Voilà le premier poisson avec un petit zig rose, un temps exécrable. Ce qui est bien pour Nico, c'est que ça ne va pas du tout le dépayser. Bon là, il est vraiment temps que Nico il arrive parce que bon, mais... on ne sait plus où donner de la tête. Donc c'est ça la pêche au zig. En principe, quand les poissons rentrent sur le coup, ben voilà. Là on a les deux cannes qui sont parties en même temps. Bon, je vais assurer le premier parce qu'il a l'air un peu joli. Donc je vais replacer l'autre, desserrer le frein. Et on va essayer de sortir les deux. Donc voilà, un petit zig à ligne à blanc avec une petite mousse jaune. Ça a fait le travail. Donc j'ai cette canne à pêcher à 1 mètre sous la surface, ça n'a pas fait touche. J'ai descendu de 1,50 m. Et là voilà, ça y est, les deux cannes se mettent à dérouler. Bon, Nico, il est vraiment temps qu'il arrive. On vient de faire ce joli poisson. On en a encore une autre sur la canne là, qui déroule. Donc on va vite le remettre à l'eau et on va essayer d'assurer la deuxième. Voilà, ça fait au moins, je pense, 10-20 minutes que la carpe est dessus. On a eu deux départs, mais bon, le poisson est toujours là. Donc on a de la chance, il a pris beaucoup de fil, il est très loin. On va essayer de le ramener. Bon voilà, ça fait à peu près deux petites heures qu'on va dire on pêchouille en attendant Nico. On a mis un petit peu d'amorçage, les poissons ont l'air de répondre, on vient en faire deux très jolis. Donc on va freiner, on va arrêter d'amorcer. Maintenant on va attendre Nico gentiment et puis on va rattaquer ça sérieusement cet après-midi. Bon Nico, se dépêche-toi parce que là on est dans la merde. Hein. On n'arrive plus à assurer les cannes. Bon, j'espère que tu nous as ramené le soleil du nord, non? Même pas. Ça voulait. Coucou. Pichon. Un petit peu. Ben là on avait relevé les cannes. J'ai amorcé, je l'ai posé, j'ai pas eu temps d'attraper la deuxième, ça partait déjà. Voilà, t'as combien de poissons là?
Bon, de poissons, je sais pas trop, mais au niveau des touches, on va arriver à une dizaine de touches. Depuis ce matin. Ouais, depuis ce matin, bon, on a pêchouillé, on t'attendait, on voulait prendre un petit peu d'avance, quoi. C'est bon. Écoute. Je sais que Nico, il en a dans le coude. Voilà, t'as grosse pas... densité de carpe. Et t'as pas touché au fond, hein. T'as pas pêché. Voilà, donc non, voilà, je suis venu pour pêcher, on a pêché au zig comme c'était prévu. Là, je touche à un zig de 2 mètres de hauteur et 1 autre mètre. Voilà, sur une hauteur d'eau de. On a 4 mètres 70 de profondeur. Un tiers voilà. Et deux tiers, quoi. C'est ça. Touche. D'accord. Eh bien, écoute, il y a le soleil qui arrive, tu vois. On va en profiter. Pas désespéré, je vais m'installer. Allez. Je vais amorcer. Je vais juste regarder faire ton poisson quand même. Ah, c'était gentil. Bon, on va le soir et je vais te filer un coup de main. J'ai été accueilli par Mathieu avec un petit repas, croque-monsieur, petite bière qui va bien après la route. Et puis juste après manger, il a décidé de renvoyer quelques bêtes roquettes pour entretenir son cou là, sur ses canosies. Et en fait, il y a eu une déroule du coup, bah, pendant qu'il amorce, je vais ramener le poisson. Bon, ça n'a pas l'air d'être un très gros poisson, mais ça me donne l'occasion de tester les X5 en 3 livres 3 quarts. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ce modèle-là. Donc on voit que c'est très puissant, par contre, en fait, l'océan plie relativement bien, même sur un poisson qui n'a pas l'air énorme. Je vais faire ce poisson-là, je vais continuer à aller m'installer, puis je vais essayer de mettre une branlée au champion. C'est cette nuit que tu vas rêver. Hein? C'est cette nuit que tu rêves. C'est cette nuit que tu rêves, Philippe. On vient de prendre une très très grosse averse. Voilà, même sous la pluie, on a fait deux départs en même temps. Donc Nico n'a pas encore fini de sortir son poisson. Voilà, donc je vais me dépêcher de le remettre à l'eau pour continuer à amorcer et garder le banc. Poisson pour moi de cette session, donc prise sur ma canne de gauche au zig légèrement derrière mon amorçage. Donc en fait voilà, vu que j'avais amorcé un peu copieusement, j'avais mis une canne légèrement décalée derrière et puis avec un zig boosté. J'ai mis un petit coup de spray dessus pour voir s'il n'y avait pas des poissons qui étaient en maraude entre deux eaux, voilà, essayer d'intercepter un poisson tout de suite avant que le poisson rentre réellement sur l'amorçage de se nourrir au fond. Peut-être que ça va arriver plus tôt que prévu, ça sonne. Donc on a pris une bonne averse. Ça s'est arrêté, ça a déroulé. Je vais la remettre à l'eau, je vais relancer mon zig. Et puis je vais aller aider Mathieu parce qu'il a un poisson également. Bon, mais Nico vient de faire un poisson et au moment où on était en train de mettre de l'épuisette, ma canne partait également. Donc voilà, là, moi, c'est un poisson un petit peu plus petit que celui de Nico, mais bon. Voilà, c'est ça la pêche au zig. Hein. Tous les poissons prennent n'importe quelle taille de poisson, ça prend. Donc j'ai fait un coup à 110 mètres. Où j'ai amorcé principalement au pelé, donc voilà, je dois être rendu à une quinzaine de kilos. Et dès qu'on amorce régulièrement, voilà, les poissons rentrent dans l'amorçage. Et dès qu'on met 2 ou 3 bombes, on commence à faire les premières touches. Donc voilà, et là, il y a quelques couleurs quand même qui commencent à sortir un peu du lot. Le jaune et noir et le rose. Bizarrement, voilà, le rose. Donc voilà, il ne faut surtout pas avoir d'a priori sur les couleurs ou quoi que ce soit. Hein. Allez. Une carpe à bosse commodère. Ouais, une la bossue. Rose et jaune. Ouais. Regardez, c'est mignon. Il a fait un petit zigrig Hello Kitty.
Bah là, je fais mon poisson, Mathieu fait le sien, il le relâche et j'ai la canne du milieu cette fois-ci qui déroule. Donc c'est la canne que j'avais mis un petit chaude vraiment au milieu du tas, vraiment sur les appâts, juste derrière le bas de la cassure, vraiment la fin des cailloux, donc dans le substrat relativement mou, même si ici c'est pas de la vase, quoi, ça reste quand même du sable. J'ai mis un petit chaude. Donc là, ça prouve qu'il y a quand même des poissons un peu à toutes les hauteurs d'eau. Je suis mis à la droite de Matt, donc on est en limite de secteur de nuit. Donc ça me laisse une belle zone sur ma droite pour pêcher tranquillement sans déranger Matt et sans être gêné moi. Donc en fait j'ai décidé de ne pas pêcher très très loin. Matt m'avait dit qu'il y avait plusieurs cassures. En fait j'ai trouvé la première cassure qui est environ à 40-45 mètres. Donc en fait on passe de 2,50 m, on descend sur du caillou, du assez gros caillou, je pense comme le même qu'il y a sur la berge, jusqu'à 4,30 m. Environ 4,30 m, 4,40 m. Et derrière, ça redevient du sable, ça redevient propre, et une cassure qui est beaucoup plus loin derrière. Donc là, il y a le vent, on a le vent de face, notre berge est battue par le vent. Comme on le sait, en général, c'est toujours des bons facteurs pour la pêche. Et en plus, le deuxième facteur qui m'a décidé de pêcher si près, c'est que je ne suis pas un très très gros lanceur. Donc si réellement, il faut aller pêcher loin et que le vent se lève, si c'est pour plus pouvoir pêcher correctement, je préfère pêcher plus court et plus proprement. Donc là, j'ai éparpillé mes trois cannes en escalier, le long de cette cassure. Donc j'ai quand même mis la canne de gauche au zig avec un petit morceau de mousse boosté avec du spray histoire de chercher un poisson, d'attraper un poisson tout de suite. Et j'ai mis deux cannes, donc une au chaude carrément derrière cette zone de cailloux en bas du tombant sur ce qui est relativement mou, donc c'est du sable quoi, même s'il n'y a pas de vase très très molle. Et j'en ai mis une vraiment au pied du tombant dans les cailloux avec un hameçon lesté, un petit montage hameçon lesté que j'aurai l'occasion de vous faire voir, avec un petit bonhomme de neige, avec une Pacific Tuna en 24 mm. Là, ça menace, je pense qu'on va prendre une grosse averse. Matt est aux prises avec un poisson, donc je vais aller le rejoindre et on va essayer de sortir le poisson avant de prendre l'averse. Bon poisson ? Mais écoute, ça fait un petit moment que j'y fais, mais bon, il y a quand même un gros cheptel de poissons entre 10 et 15 kg qui sont très combatifs, donc bon, on va voir ça. Mais bon, je pense qu'il y a autre chose qui arrive très combatif aussi, non ? Les nuages. Je pense qu'on va se mettre à l'abri. Ouais, ça peut être mal. Je pense qu'on va se mettre à l'abri. Bon, c'est cool, ça fait pas mal de touches quand même. Ouais, là, une touche pile poil sous l'amorçage. Dès que t'amorces, ça. Ouais, bon, on verra à travers le DVD que on a vraiment fait beaucoup de touches sous l'amorçage. Quoi. Dès qu'au bruit, les carpes, elles viennent manger sous le bombe. Hein. Il n'y a pas de. C'est le paradoxe, on essaye de pêcher discret, de ne pas faire de bruit au bord de l'eau et c'est tout. Et exactement plus ça tombe, mais plus les poissons, ils mangent. C'est ça, limite au bruit, de toute façon dès qu'ils entendent du bruit, ils viennent voir. Bon voilà Nico, un joli poisson attrapé au zig. Au zig, ouais. Comme quoi, les idées reçues. C'est ça, donc bon, mais ouais, tous les poissons qui naviguent entre deux eaux, il n'y a pas que les petits quoi. C'est-à-dire, même les gros poissons, ça prend au zig sans aucun souci. Quasi 40 minutes de combat. Ouais. Sous la branche. Tu restes avec moi tout le long, je te remercie. Ouais. 18,5. Voilà. Avec et le soleil. Vraiment magnifique.
Bon, le coup du soir a été un petit peu moins productif, donc je pense que les poissons, ben, tout simplement, ils sont descendus chercher les appâts qui n'ont pas pu intercepter la descente. Donc ben, c'est simple, on va écher juste avec ce qu'on a amorcé. Donc là, je vais mettre un pelé. Voilà, un pelé de 15 sur un fluorocarbone avec un curve médium en 7. Voilà, très simplement, 900 nœuds. Donc la petite particularité, c'est bien de percer le pelé en travers, parce que si on le perce vraiment au centre, on va faire beaucoup de décroches, ça va mal entrer dans la gueule du poisson. Bon voilà, donc c'est la canne qu'on vient que de lancer tout à l'heure. Donc bon, mais voilà, je pense que ça se concrétise ce que je pensais. Les poissons sont descendus au fond et d'ailleurs on en a même une deuxième touche. Donc je pense que Nico il va s'en occuper. Tous les poissons fourrage sont au fond encore, quoi. Et commencent à se mélanger un peu avec les cartes. Hein. Voilà ce petit poisson avant la nuit. Bon, on va relancer les cannes, on va pêcher allez, une ou deux heures de plus. Et puis on va manger tranquillement et on va aller au lit surtout, se reposer. Parce qu'après des journées comme ça, des pêches très intensives, ça reste fatigant. Mais il est 11h, donc on vient de faire un bon petit casse-route. Le bilan, je pense qu'il est plus que positif. On a fait du poisson on va dire, au zig, au fond. Là, je pense maintenant qu'il va être temps de relever les cannes. On va passer une bonne nuit et demain, on va essayer d'accélérer le mouvement encore. Bon voilà, on est au deuxième jour de cette partie de pêche. Avant de démarrer, j'ai vraiment envie de vous expliquer ma façon de sonder. C'est quelque chose de très très important, surtout quand on veut faire une pêche de rendement, il faut vraiment que rien ne soit laissé au hasard. Donc pour ce sondage, je vais utiliser la Horizon X5 marqueur sondeur en 12 pieds, avec un moulinet FX11, la tresse Exocet marqueur en 18 mm, une tête de ligne submerge en 20 centièmes et un marqueur flotteur. Quand il n'y a pas besoin de sonder très loin et où il y a beaucoup d'herbiers, ces petits marqueurs ont un pouvoir de flottaison très important. Donc c'est ce qui va permettre de remonter facilement. Et ce qui est très intéressant, c'est justement ce petit système où voilà, avec la petite perle de mousse qui vont pouvoir faire décoller en fin de compte tout le mécanisme au-dessus des herbiers. Et comme ça, il n'y aura pas de problème pour remonter. Voilà, donc c'est très, très, un kit très intéressant. Alors pour moi, pour sonder, je prépare un petit tableau à l'avance. Donc, je sais que je ne vais pas pêcher à plus de 120 mètres, donc je me suis pris une petite distance de 120 mètres que j'ai graduée de 5 en 5. Donc je vais tirer à chaque fois de 5 en 5. Je vais faire des passages de 5 en 5 pour une première fois. Et j'ai lancé aussi préalablement mon marqueur et j'ai vu qu'il n'y avait pas plus de 6 mètres de profondeur. Donc voilà, je me suis mis à 6 mètres pour garder une petite marge au cas où des fois il y aurait un trou de plus de 6 mètres. Allez, bien, je vais prendre la canne, je vais lancer. J'ai préalablement clippé ma canne à 120 mètres, ce qui va être très important quand le marqueur va toucher l'eau, ça sera d'enlever le clip
pour que le marqueur descende bien droit et qu'il n'y ait pas le phénomène de Pythagore. On va dire que le marqueur va revenir vers nous. Donc vraiment, à l'impact de l'eau, enlever le clip. Donc ça se prépare avant le lancer. Il faut vraiment que le clip soit accessible dès que ça touche l'eau, qu'on n'ait pas à chercher la bobine. Donc moi, il va être juste devant moi. J'aurai juste à mettre un petit coup de doigt et ça sera parti. Bon, là, je vais me préparer à lancer. Et toujours pas oublier de bien enlever le clip au moment de l'impact à l'eau. Voilà, donc moi là je vais me préparer. On arrive au clip, l'impact de l'eau, tac, c'est l'effet. Voilà. En plus aujourd'hui on a un petit peu de vent, donc ça va être long, on va bien falloir tendre la tresse. Voilà. Donc ça y est, je viens de faire remonter mon marqueur à 120 mètres. Donc là, on va faire à l'opposé de ce qui se pratique en principe. D'habitude, on lâche les longueurs, on part du fond et on fait remonter le marqueur. Et bien là, on va faire le sens inverse. On va faire de haut, d'en bas. Donc pourquoi cela? Parce que là, j'ai mon mètre qui est ici. Donc ce qui va se passer, c'est que quand mon marqueur va descendre, tac, je vais vraiment sentir la butée au niveau du plomb et ça va me reporter ma hauteur au mètre. Donc le marqueur, il faut bien qu'il soit la tresse bien tendue et qu'il soit vraiment bien à la verticale pour vraiment être très très précis. C'est très important parce que si on a un petit décochement au fond de l'eau, après on ne va pas le ressentir. Donc à chaque fois, ça sera très important de bien mettre le marqueur à ras de l'eau. 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, tac, voilà. Donc là, on va ressentir, voilà, là on y est bien. Donc là, 2,78 m. Donc là maintenant 2,78 m, je vais le reporter sur ma feuille. 4,78 m. Donc voilà, donc là j'ai fait de 50 en 50. Alors maintenant je vais tirer mes 5 mètres. Donc j'ai lancé à 120 mètres et là je vais tirer 5 mètres. Comme ça, on refera la même opération à 5 mètres pendant tous les 5 mètres. Alors hop, donc là je vais mouiller la bannière. Allez, c'est parti. Et en même temps, je vais racler le fond et regarder le substrat. Voilà. Si des fois il y a des cailloux, des poches de vase, du sable, voilà, à noter. Donc là, ça y est, 5 mètres. J'ai tiré 5 mètres et c'est parti, je refais monter mon marqueur. Bon, ben voilà, ça y est, donc j'ai tiré mes 5 mètres, je me retrouve à 115 mètres et ben je vais renouveler l'opération. Donc mon marqueur, il est toujours remonté. Et allez, maintenant je vais retirer et je vais reprendre encore ma profondeur. Allez, c'est parti. Tac, voilà. Bon, ben on se retrouve à peu près un petit peu plus bas. Donc il y a juste 3 cm de moins, donc bon, mais voilà, c'est sur 5 mètres, c'est pas non plus. Et donc là, allez, on va encore renouveler l'opération. Je vais retirer de 5 mètres, donc mon plomb, je vais le ramener de 5 mètres vers moi. Donc voilà, là, je tire de 5 mètres. Hop là. Et allez, je refais remonter le marqueur maintenant. Donc là, je vais relier tous les points et c'est ce qui va faire mon petit graphisme. Donc voilà, donc à 120 mètres, j'ai démarré avec 4,78 m exactement pour terminer à 0. Donc voilà, on a tiré de 5 en 5 en 5. Et si encore vous voulez être plus précis, on peut tirer tous les 1 mètre, tous les 2 mètres. Mais voilà, après c'est du temps, mais je pense que c'est très important de sonder un poste et ça vaut vraiment le coup des fois de sonder et de perdre, on va dire, une heure à le faire, quoi. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc Nico, lui, ben, c'est simple, il pêche à peu près à 45-50 mètres, donc en bas de la cassure, hein, on le voit très bien. Il a vu qu'en bas de la cassure, il y avait des blocs de cailloux, moi je l'ai ressenti à la canne aussi. Donc voilà, Nico, il pêche à peu près dans cette zone-là, et moi je suis à 110 mètres, voilà.
Donc 4,50, c'est ce que j'avais sondé au départ. Et j'ai mes zigs en fin de compte, c'est simple. J'ai mes zigs, ils font 3,50 m. Donc je pêche au-dessus et je suis à 1 mètre sous la surface, quoi. Mais mes zigs, ils sont placés là. Donc voilà. Et mais je pense qu'aujourd'hui, vu la météo, on va plutôt les descendre. On va faire des zigs, je pense, de 1,50 m, 2 mètres. On va voir. Pas trop de soleil, donc bon, mais ça, c'est... Et ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, si on décide de raccourcir le coup ou d'allonger, voilà, on n'a plus besoin de ressonder, on a déjà toutes les profondeurs, on a tout. Donc là, on peut adapter la pêche comme on veut. Maintenant, je vous ai expliqué tout ça, on va aller remettre les cannes, mettre à manger et j'espère que ça va dérouler encore beaucoup plus bien. Bon, mais première touche pendant l'amorçage, ça faisait allez, 10 minutes, un quart d'heure, je suis en train d'amorcer. Première touche sur une zig de 3,50 m. Donc de la pluie, mauvais temps, mais bon, les poissons sont quand même encore entre deux eaux. Et je vois que j'ai ma deuxième canne qui sonne, à mon avis. À mon avis, il doit y avoir une deuxième qui se prépare. Pendant que Nico décroche le poisson, moi mon badline il était complètement cuit, ça s'est emmêlé tout, donc il faut vite le changer parce qu'il y a plein de poissons, on va éviter de les perdre. Donc ce qui est très important c'est d'avoir des zigs de près, parce que là on n'aurait pas le temps d'en avoir, de le faire, ça serait une perte de temps. Hop là, le rose là il a vraiment bien fonctionné là. Bon, pendant que Nico est en train de faire un petit départ, voilà, je viens d'attraper un joli poisson en zig. Alors, j'ai descendu un tout petit peu les zigs de 50 cm et les touches s'accélèrent. Donc voilà, au zig, il n'y a pas que des petits poissons. Et particulièrement ce week-end, les gros auront été attrapés au zig. Voilà, cette magnifique commune, premier poisson de la journée. Alors ça va faire un petit 15 kg, 14 kg peut-être. Donc pris sur mon chaude, hein, juste derrière les cailloux en bas de cette cassure. Donc voilà, pêche à courte distance. Simple, deux journées. Donc voilà, quand on pêche précis et proprement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des stratégies sorties d'un film de science-fiction. Donc je vais vite la remettre à l'eau. Et je vais essayer de retourner une. Je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé pour cette partie de pêche au zig. Donc j'ai utilisé le kit à zig Alinea. Donc la particularité des zig Alinea, c'est qu'on peut mélanger les couleurs avec les bagues. On peut y mettre une bague marron avec une mousse jaune. Voilà, il y a plein de possibilités possibles. Après, un peu d'imagination et on peut imiter une petite abeille ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Pour le fil, j'ai utilisé le fil à zig. Voilà, donc il existe en 28 centièmes, 26 et 23. Pour ma part, j'ai utilisé le 26 centièmes, c'est le passe-partout. Là, il y a quelques beaux poissons, donc voilà, on va éviter de perdre des poissons bêtement. Hameçon à zig flotteur, là j'ai utilisé en 8. Et un grand anti-tank sleeve XL. C'est ce qui va permettre, en fin de compte, au niveau du lancer, déporter le montage de la tête de ligne, ce qui va éviter tous les emmêlements, que ça s'enroule autour de la tête de ligne. Voilà, donc ça, c'est très important de mettre les grands anti-tank sleeves. Et après, j'utilise un clip long classique avec une petite attache rapide et une tête de ligne en tresse. Donc, n'ayez pas crainte qu'un poisson se traîne avec une tête de ligne en tresse. Le fil à zig de 5 kg, donc sur un coup de tête, elle casserait très vite le bas de ligne. Alors, je vais vous faire voir comment monter le zig Alinea. Hop là, donc le petit insert, la bague,
Hop là. Alors j'ai coupé un petit morceau de mousse. À peu près de 2 cm, 1 cm et demi on va dire. Hop là. Donc je vais l'insérer dans l'insert. Comme ceci. Voilà. Je vais enfiler la bague dans l'insert. Et là je vais humidifier pour bien que ça glisse, sinon la bague elle va rouler et ça va pas, ça doit bien, pas bien le faire. Voilà, bon, ça force un petit peu, c'est normal, il faut éviter de le perdre bien sûr au lancer la mousse. Voilà. On a fixé la mousse sur la bague. Après je vais prendre l'hameçon. Donc là voilà, j'utilise bien le 26 centièmes. Alors avec le fil, on va l'insérer, il y a un tout petit trou prévu à cet effet dans le zigalinia. Je passe mon fil dans l'anneau à l'intérieur de l'hameçon. Et là, je vais réaliser un nœud comme un hameçon à palette. Donc, je fais la boucle. Voilà. Je vais enrouler 6 fois. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je repasse mon fil dans la boucle et il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Ouais, donc c'est un montage d'hameçon à palette de pêche au cou tout simplement. Donc je coupe l'excédent. Et là je vais venir rentrer l'hameçon dans le zigalinia. Juste. Voilà, il ne faut pas le faire rentrer de beaucoup. Voilà, juste un tout petit peu. Que juste l'œillet vient rentrer dedans. Et là voilà, on va vraiment avoir une belle présentation. Comme ceci dans l'eau. Donc l'hameçon sera en dessous. Et là, la piqûre, les trois quarts du temps, dans la lèvre du bas, et il n'y a pas très rarement de soucis de décroche ou quoi que ce soit. Donc après, je vais aller mesurer ma longueur de ligne. Donc là, nous, on a utilisé les trois quarts, on va dire, une bas de ligne de 3,50 m. Donc j'ai 1 mètre, je vais le mesurer préalablement. Et là, donc, je vais réaliser une boucle avec un nœud en 8. C'est très important. Quand on fait une boucle, on va dire simple, on va dire voilà, la boucle très simple, on fait un nœud et on serre. C'est souvent que ben, ça glisse ou ça s'échauffe et ça ne me convient pas, moi. Ça ne me convient pas du tout. Je vous conseille vraiment de faire donc cette boucle en 8. C'est très simple. Donc, on fait exactement pareil. On réalise une boucle. On lui fait faire un demi-tour. Hop, et là on rentre. Et là voilà, on voit bien le nœud en 8. Voilà, donc montage très simple, le grand titan sleeve. Et aussi la particularité, c'est que souvent, vu qu'on pêche avec des fils fins, le plomb vient frotter le fil. Et c'est très souvent que ça l'use. Et voilà, donc là, il n'y aura pas de problème, l'anti-tank sleeve sera là pour protéger le fil. En conclusion, les grammages des plombs, c'est très important. Plus on va utiliser un plomb lourd, plus on va avoir d'angle au niveau du combat. Donc souvent, ce qu'il y a, ce sont des obstacles, des cailloux. Le plomb racle le fond et on perd des poissons. Donc plus on va utiliser des plombs légers, plus le plomb sera relevé, sera tendu. Donc voilà, moi je conseille d'utiliser vraiment des plombs 80-90 grammes maximum. Bon, c'est vrai que des fois, quand il faut lancer loin, bien, on est obligé de mettre du plomb. Donc voilà, un petit plomb de 80 grammes à l'autoferrage, il n'y a pas de souci. We'll be right back.
vous parler de quelque chose de très important pour la pêche aux zigues, l'amorçage. Donc le but, c'est vraiment de fixer les poissons dans une colonne d'eau. Donc quand il n'y a pas de vent, petite profondeur d'eau, je vais utiliser les zig mix. Des zig mix qui sont prêtes à l'emploi avec déjà de belles particules dedans. Dans ces zig mix, on peut y incorporer du baby corn, du pain préalablement trempé, parce que voilà, si on met du pain sec, ça va monter en surface, on va fixer les carpes en surface, donc là c'est encore une autre pêche. On peut y mettre du maïs doux, et voilà, donc le principal c'est que toute cette particule soit dans cette colonne d'eau, et que le poisson cherche, on va dire, chasse ces particules, et nous placer notre zigalinia au milieu, et le poisson, tac, va venir le prendre. C'est presque comme un carnassier, on va dire, ça chasse, et ça va prendre les particules. Donc ici c'est un peu différent, on a beaucoup de vent, grande profondeur d'eau, il y a du courant, donc tout ça, c'est notre pêche. Là, on va prendre des grosses particules. Le but, c'est de faire tout descendre au fond et que ces appâts qui sont, on va dire, assez riches en huile, déjà, on va dire que les huiles sont incorporées déjà dans les appâts, et bien, à leur dissolution, parce que là, on va utiliser du pelé, des bouillettes solubles, c'est qu'à leur dissolution, ils crachent ces huiles et là, ces huiles vont remonter jusqu'en surface. Et là, c'est vraiment le but d'ici. En plus, il y a beaucoup de poissons au fourrage. Plein de poissons blancs viennent taper dedans et ça fait remonter plein de particules jusqu'en haut. Et les carpes se retrouvent souvent en haut. Donc ici, j'ai utilisé donc ces gros pelés, voilà, pour que ça descende très vite au fond. Voilà, on aurait utilisé une soupe, ça aurait fait un gros nuage et les poissons se seraient éclatés à des centaines de mètres. Et c'est souvent qu'on voit des poissons qui sautent à côté des coups et on se dit « Ah, les poissons arrivent !» Non, c'est que les poissons, ils sont dans l'amorçage qui s'est déplacé très très loin. Et là, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit dans la colonne d'eau, au-dessus de nos appâts. Ça, c'est très primordial et une pêche très précise. Voilà, voilà, c'est les règles de la pêche aux zigues. Donc voilà, c'est des appâts très très gras. Là, c'est des pelés à base de krill, là à base de poisson. Donc aussi, j'ai utilisé des bouillettes solubles que j'ai préalablement enrobées d'huile. Donc moi, j'ai enrobé d'huile de saumon, mais il existe aussi de l'huile de chêne vie, de la mélasse. Tous ces liquides sont très très bons pour la pêche aux zigues. Donc en conclusion de ce que je viens de vous dire, les soupes à utiliser dans des petites profondeurs d'eau quand il n'y a pas de vent. S'il y a du vent, les soupes vont se déporter et on va déporter les poissons avec. Donc les zig mix, on donne à manger de haut en bas. Quand il y a des grandes profondeurs d'eau, c'est l'inverse. On va mettre des grosses particules qui vont descendre et remonter. Voilà, ça évite que tous ces appâts se décalent et qu'on décale les poissons. Nico, ça se termine ? Bah ouais, super week-end. Deux jours de pêche, quasi 60 touches. Les deux tiers aux zig quand même. Exactement. J'ai pris une belle leçon. J'ai appris plein de choses. Mais moi aussi, j'ai appris plein de choses à travers tes techniques. Et là, comme on peut voir à travers ces poissons, même les beaux poissons sont entre deux eaux. Ouais, et surtout avec cette météo, quand j'aurais pas parié sur le zig rig. Exactement. Avec le vent, je pensais vraiment que ma petite cassure allait être vraiment cartonnée. Et en fait, le fait d'avoir mis du pelé aussi bien au fond qu'en l'air, bah, il y avait des poissons chez toi. Parfait. C'est bien amusé, un grand moment de partage. Exactement, donc voilà, il faut enlever tous nos a priori qu'on a de pêche au fond et il ne faut pas hésiter à pêcher aux zigues. Super week-end, à refaire. Exactement. Plein de plaisir, des potes. La rigolade, c'est ça, c'est ce qu'il faut.
Et bien voilà, retour d'une session plutôt très humide avec Nicolas et Mathieu, qui malgré des conditions plutôt difficiles ont réussi à tirer parti de leur pêche, avec un nombre de prises quand même assez impressionnant. Ce que je vous propose, c'est très rapidement d'aller se sécher, se réchauffer avec les frères Rousselot et Alexis, qui sont sur une gravière en Rhône-Alpes. Et puis on les a tout simplement laissé faire ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire extraire les plus gros poissons d'un plan d'eau en un temps généralement record. Donc on va profiter de cette belle session, et puis au retour on vous montrera que malgré des conditions très très compliquées ici pour Constant et moi, cette dernière matinée, cette dernière nuit là, a produit un poisson pour Constant qui mérite le détour. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite session estivale. Je suis en compagnie de deux amis, Johan et Mathias Rousselot. Petite session qui a bien commencé, on est là depuis 24 heures, on est à 5 poissons pour l'instant. Sur une très jolie gravière, avec la particularité d'être vraiment très très enherbée. Beaucoup de nuisibles, beaucoup de poissons-chats notamment. On va vous montrer durant cette session comment on aborde ce genre de plan d'eau, comment pouvoir pêcher malgré de fortes densités d'herbes. On va se dépêcher de remettre ces jolis poissons à l'eau, prendre un petit bain parce qu'en même temps il fait très très chaud. Et puis on va vous montrer quelques astuces pour aborder ce genre de gravière. Pour cette session avec Yo et Alex, on a décidé de faire une stratégie commune. Donc en fait ici on a un grand chenal principal qui tourne et à l'intérieur c'est rempli d'algues. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire une pêche d'interception au milieu des algues et aussi dans certaines trouées qu'on a repérées au masque ou à l'écosondeur. Donc là-bas on a deux cannes qui barrent l'entrée du chenal principal et qui interceptent les poissons qui viennent de la gauche. Et ici en face, donc au niveau du virage, on a mis un repère avec deux cannes de chaque côté dans les algues, avec des chod rigs qui pêchent sur un amorçage de bouillettes principalement. On a fait aussi un petit amorçage à la graine pour essayer de voir si des poissons étaient intéressés. Et sur la droite, on a mis juste une seule canne pour pas qu'elle gêne la pêche générale. En fait, la principale difficulté dans ce genre de plan d'eau, c'est de réussir à mettre le moins de lignes possible de façon à ce que les poissons ne voient pas les fils. Donc en fait, ce qu'il faut être, c'est très efficace sur chacune des lignes, donc trouver des bons spots, et aussi que ces lignes soient placées de manière stratégique. Donc, deux lignes d'interception ici, deux lignes d'interception là-bas, et une dernière canne, une cinquième canne en fait, qui va pêcher un spot qu'on a trouvé là-bas, un magnifique spot sur une grosse tache de cailloux, avec, c'est grouiné de partout, c'est éclaté. À mon avis, ça devrait rentrer du poisson. On pêche pas très loin du bord, hein, on est entre 120 et 150 mètres du bord. Donc on utilise les bateaux, hein, principalement pour aller chercher les poissons, pour éviter qu'ils se tanquent dans les algues. Mais c'est une pêche qui est quand même relativement simple. Bon, Alex, c'est un pote, Johan, c'est mon frérot, donc forcément, on fait une stratégie commune. Ça a rapporté énormément de départ de faire ça, de faire une stratégie commune, parce qu'on n'est pas en compétition. On met tous nos efforts en commun dans la même direction, et donc on réfléchit, on est trois cerveaux pour une seule pêche, et ça rapporte beaucoup, beaucoup de départ. Donc c'est pour ça qu'on a mis que 5 cannes. On a décidé que 5 cannes, ça suffisait. Il y a peu de fil dans l'eau. C'est assez discret, je pense que les carpes ne nous voient pas trop venir. Et sur ce genre de plan d'eau, qui est quand même relativement pêché, ça vaut le coup.
voilà, on vient juste d'en mettre les cannes. Super, en début de soirée. Une magnifique miroir avec plein d'écailles. Elle est superbe, hein. Elle est vraiment très jolie, elle m'a fait un beau combat. On va vite aller retendre les cannes parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que la nuit va être courte. Poisson piqué sur la pleine eau, le tchod légèrement décollé, une pop-up décollée de 4-5 cm. C'est une canne qui avait déjà déroulé en plein milieu de journée. Donc là, bah, la tombée de la nuit, c'est clair que c'est plutôt propice. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Yes, c'est dedans. Le tchod, hein. Dans toute sa splendeur, qui a parfaitement joué son rôle. La tombée de la nuit, donc je pense qu'on va... Je pense que la soirée va être un petit peu animée. Deuxième poisson en une heure et demie, donc on est bien parti. Bonjour, ouais, bah encore un départ sur cette canne, ça fait déjà le troisième ce matin. Et ouais, bah c'est une canne qui est en chud, avec une bouillette dense. J'ai pas amorcé beaucoup, j'ai amorcé vraiment sur le spot, une ou deux poignées. Et ouais, elle part à chaque fois, hein. C'est fou. Hein. Bon, par contre, c'est pas des poissons énormes, c'est des poissons assez calibrés, entre 13 et 17 kilos, on va dire. Parce qu'en fait, bizarrement, la fraie était tardive ici, j'ai l'impression, et c'est que des mâles en fait qui mordent. Ils font des bons combats, mais c'est pas des énormes poissons. Les carpes ici ont la particularité de vraiment bien se combattre. Ah, c'est un vrai bonheur, quoi. Plus l'eau est assez claire, on les voit remonter de profond. Ah, c'est top, franchement, c'est génial. Ce qui est fou, t'as vu, c'est que je l'ai posé il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Hein. Ouais, une demi-heure, elle est même pas. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre stratégie commence vraiment à payer. C'est régulier. Parce qu'on a de plus en plus de départs. On met moins en moins de canalos, on a de plus en plus de départs. Les départs sont vraiment espacés de peu de temps, donc là on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Dès que les gros poissons vont rentrer, ça va être vraiment sympa. On a décidé tous ensemble d'enlever des cannes pour ne pas surcharger la zone, pour pas qu'il y ait trop de fil dans l'eau. Et manifestement ça paye, c'était la bonne décision à prendre. Parce qu'on fait de plus en plus de touches, donc c'est vraiment cool. Et ça c'est quelque chose à savoir, des fois ça sert à rien de mettre trop de lignes, quelques lignes bien placées et ça suffit pour faire pas mal de départs. Ouais. Et voilà, encore un petit mâle qui pisse la laitance, c'est le quatrième depuis ce matin. Bon, ça mord bien, hein. Franchement c'est cool.
super combat. Vraiment, il m'a donné du fil à retordre, mais je me suis régalé sur ce poisson. Je le remets à l'eau. Ça y est, là on vient de prendre vraiment un beau poisson, une belle commune, elle est superbe. C'est une boule, hein, c'est une boule. Super poisson, pris sur les herbiers. Très content, hein, vraiment très très content. En plus c'est bien, on a une belle journée. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Les poissons se suivent et s'enchaînent. Celle-ci, je l'ai capturée en plein milieu, sur le tapis d'herbe, hein, comme d'habitude. Donc on capture 90% des carpes comme ça. Poisson qui a mordu il y a très très peu de temps, là. Donc bon, les températures sont assez élevées, on va se dépêcher de les remettre à l'eau. Elle repart dans les meilleures conditions. Et puis on va poursuivre, de toute façon. On va essayer de tenir le rythme. Puis tomber, à un moment donné, on espère tomber vraiment sur un gros poisson du lac. Voilà un des 5 poissons qu'on a pris ce matin. Une belle petite commune qui m'a fait un super combat. Toujours au même spot, là où on fait 80% des départs, 150 mètres du bord dans les herbes. C'est vraiment un passage de carpe, hein. Ça mord beaucoup sur ce spot, c'est impressionnant. Et voilà, bon ben, une de plus. Là, je pense qu'on est dans la catégorie supérieure. Magnifique combat, on l'a bien vu remonter, un poisson large, haut et large. Je pense que là, on a une cliente sérieuse. Un très très beau poisson. Tu veux que j'enlève ? C'est bon ? How much ? Ouais, 25-2, un truc comme ça. 25-2, 25-3. Les gars, ça c'est bon ça. Yeah. Ouh. Putain, c'est bon ça. Splendide poisson, 25-2 kg. Le fruit d'un super travail d'équipe. Ça fait juste méga plaisir. C'est clair. Putain. C'est clair, super. Les sessions ensemble, elles sont pas légion, mais en général, on s'en souvient quand même. Waouh, splendide poisson. Magnifique. Combat en journée. Extraordinaire. C'est vraiment du pur plaisir. Bah, quand elle avait remonté, c'était magique. Hein. C'était large. Ouais. C'était large. Ah, ce que les gens peuvent pas voir, c'est les biceps. Il y a une fille qui travaille. Ça, c'est des mois de travail, ça, c'est des mois de travail. Crossing the line, but this ain't
their game, no, they playing with lies. I'm holding on something, ain't playing with mine. You playing with yours, you run up on mine. Ain't nothing funny, cause everyone bleeds by the sword. I already lost one of my G's. The other was running and ducking police. Guess cause we grew up rumbled in the streets. My brothers some alligators. Snap out these chickens, do show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no, we all obey. There's no debate. My brothers some alligators. Known on these roads, don't need validation. Savage the mo, no, we overtaking. Getting ripped with the toes, coming like the bacon. Ain't no faking. My brothers some alligators. Snap out these chickens, you show they rate us. Sur ce genre de gravière, on a pu remarquer que 99% des pêcheurs procèdent de la même façon, en recherchant systématiquement les fonds durs. Donc on essaye de faire différemment, de prospecter des zones qui ne le sont pas de façon habituelle. Et on a essayé de mettre au point une approche qui vise à pêcher sur les herbiers. Donc pas dedans, mais vraiment poser la passe sur les herbiers et l'amorçage également posé dessus, de façon à ce que les poissons puissent détecter les appâts assez facilement. Au niveau du montage, quelque chose de très simple, donc c'est un montage en chod rig, hein, tout simplement, avec une plombée de 180-200 grammes qui va s'enfoncer à travers les herbiers. Et on cale le kit micro chod juste au-dessus de de l'épaisseur d'herbier. Donc en moyenne, il y a 1m50, 1m80 d'herbe. On cale le montage un bon 2 mètres au-dessus, de façon à ce qu'il puisse se poser vraiment bien à plat sur les herbiers et avoir une présentation vraiment optimale. Pour le chod, on utilise le kit qui est prévu à cet effet, le micro kit chod tungstène, qui est vraiment très efficace, qui permet de bloquer vraiment la hauteur désirée au niveau du chod, mais qui est coulissante. Donc au combat, c'est vraiment très appréciable. Sur les matériaux utilisés, on utilise le Rigidity en 53 ou 57 centièmes, qui est vraiment très résistant, avec la particularité de vraiment former l'angle qu'on souhaite au niveau de l'hameçon par rapport à la présentation. On peut très bien avoir l'hameçon dans le prolongement du Rigidity. On peut y avoir une inclinaison plus ou moins prononcée. On y fait vraiment ce qu'on veut. Pour ça, ce matériau est vraiment très très intéressant à utiliser. Au niveau de l'hameçon, le curve shank en 6 ou en 4, en fonction de la taille de l'appât. On utilise des hameçons les plus costauds possibles pour vraiment extraire les poissons des herbiers. Parce qu'ils ont parfois tendance à vraiment s'enfouir dedans, à rester la tête dedans. Il faut pouvoir les extraire le plus rapidement et sans risquer de perdre le poisson. C'est vraiment très important. Au niveau des appâts utilisés, aussi bien une bille dense qu'une bille flottante, ça fonctionne très bien, les deux fonctionnent vraiment très très bien. La seule petite particularité, c'est vraiment d'être très très soigneux au niveau de la dépose. Donc pour cela, les frangins ont mis au point une technique qui est vraiment très très efficace et qui permet de présenter l'appât vraiment de façon optimale. Et mais ça, ils vous le présenteront demain matin quand on recalera toutes nos lignes. Encore un super poisson qui vient clôturer cette journée pleine de carpes. On en a fait une dizaine, des communes, des miroirs, tout ce qu'il faut avec des belles écailles. Donc on est super content. Là, l'orage est en train d'arriver, donc j'espère que ça va nous rapporter encore plus de poissons. Moi ce soir j'ai décidé d'aller pêcher un petit poste juste à côté que j'ai amorcé depuis deux jours, on verra bien ce que ça donne. Je suis assez confiant, bon on verra bien, hein. On est en gravière, on sait pas trop ce qui peut se passer. Et voilà, je vais très rapidement remettre cette carpe à l'eau, on va se préparer pour la nuit. We'll be right back.
Pour cette deuxième nuit, on a décidé de ne pas pêcher les spots les plus productifs afin de les laisser reposer et de donner confiance aux poissons. Stratégie payante puisque dès qu'on a replacé les lignes ce matin, ça a déroulé tout de suite, on a fait 5-6 poissons tout de suite, dont cette belle miroir massive là que je vous présente maintenant. Et donc je pense qu'on va faire ça un peu toutes les nuits, on va arrêter de pêcher vers les 10h30, 11h du soir et replacer les montages vers 4-5h du matin parce que ça semble être un bon choix. Bon, je vais là la remettre à l'eau et je vous retrouve tout de suite avec Matt et Alexis pour un petit débrief. Vous avez bien déroulé ce matin, non? Ouais, ce matin ça a bien vendu. Ah, mais c'est un truc carrément de fou. Mais tu sais pourquoi ça a bien vendu? Ouais. Parce qu'on n'a pas pêché cette nuit. Ah, vous n'avez pas pêché cette nuit? Eh non, on a laissé reposer le poste. En fait, vers 1h du matin, on a fait un dernier départ, on a laissé reposer. Ah, ouais, on a réamorcé. Ouais. Et on n'a pas pêché pendant plusieurs heures. Okay. Ce matin, dès qu'on a reposé, c'est parti tout de suite. Moi j'en fais deux, mais alors tu vois le truc, j'en fais une petite en bordure. Ouais. Ça en fait, grosse tape sur la canne. La canne elle saute du détecteur. J'entends juste un bip. Toi, ça fait bip comme ça. Tu sais, je lève juste un œil, je regarde, ouais. Je fais. Wow. Limite quoi. Ouais, je vois la canne qui part sur le côté et tout. Donc je suis allé chercher, c'était une commune dans les 13-14, un truc comme ça, j'ai décroché. Et en bordure du coup. En bordure. Ouais. Et là, celle que j'ai ramenée ce matin, la petite là. Ouais. La petite, mais sinon rien quoi. Et toi, je misais vachement sur la pluie en fait. Et il n'a pas plu et c'est vrai dommage, que. Ouais. Globalement, l'activité elle est quand même beaucoup plus en journée que la nuit. Hein. C'est vrai. Ouais. 90% des touches, c'est vraiment en journée. Et... Surtout le matin là, jusqu'à midi. Ouais, c'est clair. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les poissons en journée, ils se nourrissent dans peu de fond. Ouais. Moi j'aurais pensé que ça aurait été à l'inverse, qu'il aurait fallu reculer les montages en journée et rapprocher pendant la nuit. Ouais. Et en fait pas du tout, c'est quasiment le contraire. Même devant, on a eu plus de touches en rapprochant les lignes qu'en les éloignant. On déroule plus dans 3 mètres que dans 5 mètres en journée. Alors que l'eau est claire et tout, on pourrait se dire les poissons sont. On pourrait, je sais pas, voir les lignes ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. On cartonne, hein. On est à quoi? On a fait quoi, 20-25 poissons? Une vingtaine de poissons. Ouais, une bonne vingtaine de poissons, je pense. Même large, peut-être 25, je sais pas. Peut-être 25 poissons. Beaucoup de petits mâles. On va dire calibré entre aux alentours des 15 kilos. Juste après la fraie quoi. Ouais, juste après la fraie, les petits mâles. C'est toujours pareil, les petits mâles, tout ça. Bon, on a eu la chance, on a fait une belle femelle, une deuxième aussi. Ouais. Donc ouais, ça, deux c'est super cool. Poissons. C'est sorti de on ne sait où. Ouais. Au milieu des bandes petites, d'un coup. Ouais. Ouais, ça c'était génial. Hein. Mais bon, par contre, bon, au moins, ce qui est cool, c'est qu'elles font des combats exceptionnels. Ouais, c'est vrai que pour ça, c'est vraiment plaisant. Le bateau que tu la vois, tu sais, passer dessous. Surtout la journée, c'est au top. Ah, c'est génial. Ouais. Là, c'est vraiment. C'est vraiment et plaisant. La canne de droite, elle a pas déroulé. Non. Non. D'ailleurs, ouais, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi à propos là? On va peut-être un petit peu réajuster la pêche là. Parce que les poissons, il y a eu des poissons ce matin. Hein. Je t'ai levé assez tôt et. Sur la canne de droite, tu parles. Ouais. C'est deux poissons qui sont montés sur le repère. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Je les ai pas vus, ouais. Ouais. Par contre, on pêchait sur le dur. Et je pense que ça peut être pas mal, c'est de décaler dans les herbiers pour voir si ça peut déclencher une touche. Ouais, ça c'est une super idée. En plus, tu l'as amorcé au cobra. Ouais. Donc forcément, tu disperses un peu les appâts et tout ça. T'as ramorcé ce matin? Moi, j'ai ramorcé dès que je me suis réveillé. D'accord. Donc il y a des appâts dessus là. Ouais. Là, ça pêche. Hein. Le truc, en fait, je pense que c'est une zone qui est souvent pêchée. Donc les poissons, ils sont méfiants sur ce genre de zone. Donc, par contre, l'idée d'Alex de décaler 2-3 mètres, ça peut être super cool. Quoi. Bon, bah, étant sur les herbes et à côté, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Moi, j'avais pensé au début, tu sais, avec l'axe du bas de ligne qui était vers le large, les poissons qui arrivent comme ça, que tu vois, ça pouvait peut-être faire un peu effet leurre, mais en fait, j'avais fait une quand même hier dessus, mais tu sens que c'est pas assez. J'ai une tirée ce matin. Ouais, quand, ça, c'est normal, c'était un poisson. Tu vois, il n'y a pas de secret, ils sont trop méfiants sur ces zones. Ouais, d'accord. Que tu as vu sur les zones qui sont moins pêchées, ça part tout de suite. Quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On fait la côte de bœuf, c'est ça? Alors, on fait la côte de bœuf. Déjà, la côte de bœuf. La côte de bœuf, voilà, c'est ça. Pas pour vous, moi ça sera pas côte de bœuf, mais. Les merguez. Les merguez, pour Alexis. Et la côte de bœuf pour nous. Exactement. Après, on replace les montages. On rapproche une des deux du milieu encore un peu. Ouais, pour on passe un de 4,50 m à 4 mètres, un truc comme ça. Ouais, pour ou même 3,80 m. Tu sais, sur la descente, là, ça peut être vraiment cool. Ouais. Celle de droite, on la décale un peu. Ouais. Puis celle qui déroule 90% des départs, évidemment, on la laisse. Pour moi, tiens. Juste à gérer la quantité d'amorçage, bien ajustée. Ouais. Histoire de ne pas en mettre trop, mais de ne pas en mettre trop peu non plus. Oh, puis je pense qu'on va être pas mal pour la journée qui reste. Ouais, de toute façon, on va le faire là, c'est sûr. Bonne session, hein. C'est cool, ça part bien là. Ça le fait. Ouais. Ça fait plaisir. C'est cool. Déposer en bateau ce montage. Mathias et moi, on a une méthode bien particulière pour procéder. C'est un montage au chud, donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait.
L'intérêt du chod, c'est de pêcher dans les herbiers. Ici, il y a deux types de fonds différents, des fonds clairs et des fonds remplis d'herbiers. Nous, on a choisi essentiellement de pêcher dans les herbiers pour prendre un peu le contre-pied des pêcheurs locaux. Et donc là, voilà comment je procède. Je pars avec mon GPS, j'ai pas mis de repère histoire d'être le plus discret possible, de mettre le moins de fil dans l'eau possible. Donc j'ai mon point GPS et je vais dessus et avec l'aide du talkie-walkie, on arrive à communiquer avec Mathias de façon à avoir une ligne qui est très tendue et de façon à plaquer le bas de ligne tout de suite au fond sur les herbes et que le bas de ligne soit vraiment bien positionné. Je vais vous montrer. Ok. Alors première étape, je retourne pile poil sur mon point GPS. Donc bien que je pêche sur des herbiers, j'essaie d'être le plus précis possible. Commence à tendre, Matt, s'il te plaît. Commence à tendre. Donc je fais un petit peu tendre la ligne à Mathias de façon à avoir aucune bannière, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Là, je passe un peu à côté, là je suis à 2 mètres. Je suis à 2 mètres. Ok. Ok, 1 mètre. Ok, parfait. Tends la ligne poulet. Tends la ligne, doucement. Ok, parfait. Dépêche, dépêche, dépêche. Parfait. Ouvre, ouvre. L'avantage de faire ça, c'est que Mathias va récupérer la ligne. Vas-y, mouline. Mouline. Et là, tout de suite, le corps de ligne et le bas de ligne se plaquent tout de suite sur les algues. C'est très pêchant. J'amorce 5-6 poignées de bouillette, le plus écarté possible. Voilà. Pas tout sur le montage. J'aime pas amorcer directement sur le montage parce qu'au final, il y a peu de chances d'intercepter un poisson comme ça. Qu'en amorçant très large, surtout que là, l'eau est chaude, l'écart nage beaucoup, on a plus de chances de toucher du poisson. Comme vous pouvez le voir, on pêche pas loin du poste, ça sert à rien d'aller trop loin. Les poissons passent juste à côté. Et voilà, là j'écarte un maximum. C'est un super spot ici, on a fait beaucoup de départs. Et voilà, allez c'est parti. L'avantage de procéder à deux comme ça, c'est déjà d'être précis. Ça, c'est une chose très importante. Et deuxièmement, de pouvoir plaquer rapidement le bas de ligne de façon à ce qu'il atterrisse doucement sur les algues et qu'il ne s'enfonce pas dans les herbiers. Les bouillettes sont assez lourdes. Je pêche avec des bouillettes denses, contrairement aux chocs classiques qui sont avec des pop-up. Et au moins, ça permet à la descente que le fil de corps de ligne soit tendu et que le bas de ligne se pose doucement dans les herbiers. Le but de pêcher dans les herbiers comme ça, c'est de prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'il fait habituellement. Les carpes sont très réceptives, on arrive facilement à les piquer comme ça, elles mordent vraiment bien, elles sont bien piquées. Et comparé à une approche plus classique à pêcher dans les taches claires, ça nous permet de prendre des poissons qui sont peut-être moins piqués habituellement et pour l'instant ça nous réussit. Baby, it's gotta be you. Bon super, on vient juste de faire un départ, en plein après-midi. Encore un petit peu Alex, s'il te plaît, portail. Voilà, encore. Ça y est, on vient de réussir à prendre la carpe. Bon, c'est pas un très gros poisson, mais c'est un joli poisson. Elle a fait un super combat. On l'a pris sur un spot herbeux, encore une fois, des algues, sur les algues. C'est la canne Alexis qui a déroulé cette fois-ci. Juste avant, on a pris quelques petits silures. Donc, on pensait que l'activité était en train de chuter, de décliner. Mais en fait, non, il reste quelques poissons à prendre. Donc, c'est positif. On va les retirer tout ça rapidement, là. Comme on a pu vous le dire, on est aujourd'hui sur un plan d'eau qui est envahi de poissons-chats. Pour pêcher efficacement la bouillette, on est obligé d'utiliser certaines parades pour être sûr d'être pêchant à 100%.
Donc là, en l'occurrence, on a utilisé l'arme à mèche, donc qui est disponible en deux tailles, en 14 ou en 22 mm, et en deux épaisseurs de filet, en fine ou en heavy. Très simple à utiliser. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé sur cette session le 22 mm. Et je vais vous montrer comment on fait une présentation vraiment très propre. Donc le filet est présenté sous cette façon-là, en filet sur le tube. Je précise au passage, attention à surtout ne pas confondre avec les filets PVA, ça serait un peu embêtant. Donc pour une présentation propre, je sors l'équivalent du présentoir en longueur de filet et je vais le passer à l'intérieur. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Il ressort par ici. Voilà. Première étape, je le repasse. Ensuite, je fais un nœud simple sur une extrémité qui me permettra de venir caler la bille. Je coupe l'excédent. Voilà. Donc là, jusqu'ici, mon nœud est fait, tout simplement. Ensuite, je repasse le filet à l'intérieur du tube. Et de cette façon, j'ai le nœud qui se trouvera emprisonné à l'intérieur avec la bouillette. Ce qui fait une présentation qui est beaucoup plus propre que lorsque le nœud est à l'extérieur. Plus qu'à prendre l'appât adapté. Donc là, sur cette session, j'ai utilisé les leavers de chez Energy Bait. Et en présentation, les petites hardes équilibrées qui font des merveilles. Donc la bille à l'intérieur. Et je coupe. Donc pour l'instant, ça se présente de cette façon-là. L'excédent, je vais venir le brûler. Et l'aplatir. De cette façon-là, on a une présentation qui est vraiment propre. On n'a pas de nœud à l'extérieur. Et ça pêche parfaitement. Petit conseil, si vous voulez vraiment avoir une discrétion qui est maximale, vous laissez tremper vos appâts 2-3 heures pour les faire légèrement gonfler. Le filet va s'imprégner dans la bouillette. Et là, vous aurez un appât qui est identique à 100% aux appâts d'amorçage. Et vous pêchez vraiment en toute sécurité face au poisson-chat. Bon ben voilà, juste avant la tombée de la nuit, beau poisson, entre 20 et 22 kilos je pense. Donc là il est 10h du soir, on va la mettre au sac pour faire une photo demain au lever du jour vers les 5h du matin ou 6h. Et on va arrêter de pêcher pour ce soir, comme on a fait hier, on va laisser les postes reposer, on va juste réamorcer un peu. Et c'est un mal, hein. Voilà l'étance. Et comme ça on espère reprendre du poisson dès demain matin, dès qu'on va reposer les cannes. Voilà le poisson qu'on a pris hier soir. Donc on a finalement pesé 23 kg. Super miroir, énorme. Franchement, je suis ravi, il m'a fait un combat de fou. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne devait pas pêcher hier soir. Mais en fait, au vu des touches qui s'enchaînaient, on n'a pas pu s'arrêter de mettre des cannes. Donc on a pêché toute la nuit, on voulait laisser reposer le poste, mais ça n'a pas été possible. On a cartonné un truc de fou. On a pris une carpe d'anthologie, qu'on va vous montrer après. Et moi, j'ai pas dormi de la nuit, Mathias non plus. C'est un truc de malade, ça se voit peut-être sur mon visage d'ailleurs. Donc là, je vais vite la remettre à l'eau parce qu'il y a Alexis qui vient de partir pour combattre un autre poisson. Ça s'arrête pas, quoi. C'est un truc de fou. On cartonne comme des malades. Là, on est aux anges, quoi. Donc voilà. Allez, je la remets. Pouah. Pouah, pouah, pouah. Oh, oh. Pouh. Bam. I'm going out all right.
jour vient à peine de se lever, ça y est, c'est parti. Les jours se suivent et se ressemblent, pour notre plus grand plaisir. Je me dépêche de la remettre à l'eau, on a beaucoup de boulot là qui nous attend. La nuit était vraiment très soutenue. Les frangins n'ont pas dormi, vous verrez, ils ont vraiment les yeux un peu explosés. Et pour de très très bonnes raisons. Je vous laisse découvrir ça très rapidement. Et voilà, le magnifique poisson de cette nuit, le bijou, une commune hors du commun, hors norme, énorme, un fish magnifique, prise à la Dragon Bait, avec un Badling Rigidity, un poisson de dingue, de fou, que j'aimerais partager avec mon frangin et avec Alexis. Bon, on a coupé la caméra pour essuyer l'objectif. Bon, Johan ? Hallucinant, quoi. C'est quasiment l'accomplissement d'une vie de pêcheur. Une vie de pêcheur, c'est un poisson de dingue. C'est le poisson d'une vie, quoi. C'est le poisson d'une vie. Le combat qu'elle nous a fait. Un truc de malade. Un truc de fou. Malade. Il y avait un petit peu de lune, on la voyait dans 3 mètres d'eau. Ouais, le stress, moi je me souviens, je tremblais, quoi. Je tremblais. Bon, pourtant, on en a chopé des belles, mais celle-là. Sans fausse modestie, on a chopé des beaux poissons. Ouais, mais celle-là, elle en voit. Celle-là, vraiment, elle est au-dessus de tout. Regardez-moi ça, magnifique. Superbe. Presque difficile à porter. Quoi. Alex, viens nous rejoindre, mon pote. Voilà, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe, une session de malade. En tout cas, les gars, je suis vraiment ravi d'avoir partagé ça avec vous, c'était extraordinaire. Franchement, extraordinaire. C'est vraiment une session de folie. Tous les jours, c'est une session de folie. C'est gavage, je suis vraiment ravi pour vous. C'est vraiment un super travail. Super. Yes. Tout le temps qu'on a donné et tout ça. Tu vas montrer une dernière fois. La largeur. Regardez la largeur de ce poisson. Regardez-moi ça. Monstre. Ouais. Oh la vache, c'est n'importe quoi. Oh. C'est n'importe quoi. Oh. C'est incroyable. On ne nous voit plus derrière, donc t'as vu ? Alexis, il fait 2 mètres de large, on ne voit plus derrière. Et on ne parle pas du poids. Et on ne parle pas du poids. Pour. Ça sert à rien, c'est indécent de parler du poids. C'est indécent, et puis par respect pour les pêcheurs du coin aussi. Pour les gars du coin. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un fiche de fou. Ouais, de fou. On la remet à l'eau. Hein. Ouais, la larme à l'œil, quoi. La larme à l'œil. Allez, remets-la. Super. Remets-la vite. Ça y est, c'est la fin, les gars. Terminé. C'est la fin pour toi, Alex. Le bateau est chargé, il n'y a plus qu'à rentrer. Ouais. Tu nous abandonnes ? Bah écoute, le devoir m'appelle. Malgré ces quelques jours de pêche intensif. Ah, c'était que du bonheur. Ouais. Partager des super moments, des combats en journée, c'était vraiment de la folie, des très beaux poissons, une commune. C'est juste démesuré. Une commune de malade. Ouais. Alors, vraiment, qui restera un de nos plus beaux souvenirs de pêche, hein, sans hésiter. On l'a fêté dignement, donc c'est bien. Ça restera un bon trentaine souvenir. Trentaine de poissons en tout. Ouais, c'était un régal. Un vrai carton. J'espère que ça a vraiment transpiré, en tout cas pour vous qui nous avez regardés.
ouais. et que vous prendrez autant de plaisir, on va dire, que nous on a pu en avoir durant ouais. ces quelques jours. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment un régal. Nous on va rester un petit peu, rester encore 2-3 jours, histoire de voir si on peut continuer à exploiter le filon. Ouais, je pense que je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, non, c'est normalement on devrait faire quelques poissons. Je pense recevoir quelques photos bientôt. Ouais. Regarde bien ton téléphone, mais ça a sonné. Allez, salut les gars. Ouais. Salut ciao à tous. Tout le monde. Ciao. À la prochaine. Voilà, il est difficile d'imaginer plus belle image pour clore ce sixième DVD. J'espère que le contenu vous a plu. Nous, en tout cas, on est très heureux d'avoir passé ce moment ensemble, encore une fois, comme chaque année pour la sixième année. Et puis content pour Constant parce qu'il a vraiment tout organisé pour cette petite session. Alors, il est récompensé de belle et juste manière. Voilà. Dernier petit mot pour conclure, ce sera le dernier DVD qui sera édité en forme, sous forme physique DVD. Vous nous retrouverez désormais les années prochaines sur la chaîne Fox YouTube, évidemment. Donc un petit moment d'émotion et puis remerciements à tous ceux qui nous ont accueillis, à vous tous qui vous nous avez suivis pendant ces six années à travers ces DVD. Voilà, je vous dis à bientôt et une bonne saison. Plaisir. Ça c'est sur mon cou. Ah ouais mais bon. Je dis bien qu'il y a problème hein. Tu le vis comment? Je le vis bien, je confirme. Là ta bœuf saute sur son spot mais je le vis bien, je vous assure. On aurait pu se boire une petite bière pour fêter ça. Ouais c'est clair. On a l'autre, on a Monsieur Propre qui est au moteur. Monsieur Propre. Ça va la gonflette? Ah, ça va tranquille. Ça va tranquille? Ça va tranquille. Bon, je viens de placer mes deux cannes. Donc en fait, je me suis mis à droite de mat. Trois cannes. Droite, bla, on commence. Bon, ben. Bonne merde, Lévin! Bon poisson! Bon courage! Ah! Oh non! Ah! Ah merde! Allez Nico, tu peux aller! Allez! C'est pas comme si c'était. Bon courage! Bon bah les gars! On se foutait de la gueule de Nico! Allez Nico, il est reparti aussi! On est dessus, on est dessus. Ouais. Plein ma gueule. Plein ma face, ça c'est fait. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là les gars. C'est pas fini. Hein. Il y a encore du temps. Ah Juju, hein. Le suspense jusqu'au bout. Il reste 30 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Le soir de l'apéro. D'accord. Et t'as un poisson? Bah oui. Au bout. Le pire c'est que t'as oublié ton verre. Ouais, là-bas oui. Sur le seau. Je vais y revenir. Voilà. Je vais baquer dans le TNT pendant ce temps-là. Fais un petit bonjour chez tonton Nico à côté là-bas. Va lui prendre sa canne, comme ça Nico va être obligé de se bouger. Bon, je bouge pas. Tu pourras venir compatir avec moi là. Qui ont quand même vraiment réussi à tirer parti de leur pêche. Hein. On voit. On reprend. Je suis pas encore assez bien réveillé pour ça, mais bon. Donc, je la remercie de m'avoir fait ce plaisir. C'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pied, moi. Ah, merde. Oh, putain. Oh,
bannière tard, chopette gobelet. C'est ça. Mais c'est cadeau, là. Ça sent whisky. Ah ouais, non, là je la gueule après. Bon, allez, j'y retourne quand même. Allez. Caméraman, tu peux se bouger le cul. J'ai juste un parpaing dans les bras. Ok, là c'est bon. Et là, qu'est-ce qui attaque alors? C'est toi, Alex? Ah, mais là c'est pour le style, ça. C'est toi, Alex, qui attaque alors? Ouais. Oh, il est ouvert, le mec. Ouais. T'as l'impression de vous, bah, la regarde bien, ça va dérouler dans 20 secondes. Voilà, mon montage. C'est les bordures ou les cassures en fait. C'est montage pour pêcher dans les coins. Dans les coins, voilà. Les berges un peu à 90 degrés, ça te permet de. Tu vois, tu. Tu présentes un peu comme tu veux. Ils ont pas encore trouvé les anglais. Oh, on va bien venir, regarde, hop, même à l'envers.